Salut Félix, t'es sur mon bureau là? Ouh là là, la rue c'est intéressant. Excusez-moi. Bienvenue dans une journée dans ma vie. Je te fais le topo au cas où tu me suis pas sur Instagram, sinon tu le sais, mais genre tu le sais bien parce que j'en parle. Je suis malade, ça fait très très longtemps que j'ai pas été malade comme ça. J'ai un truc qui ressemble à une angine, mais ça pourrait aussi être une bronchite, une trachéite, enfin voilà. Donc je vais chez le médecin aujourd'hui à 16h, mais je me suis dit que j'allais quand même te montrer ce que je fais dans ma journée. Étant donné que je dors quasiment pas parce que j'ai des gardes de toux toute la nuit, je fais les choses très très lentement, donc c'est pas une journée type que je vais te montrer, mais c'est quand même le premier jour où je vais recommencer à travailler après mes vacances et ma maladie. J'ai des choses à faire dans la maison, enfin j'ai quand même des trucs que je veux te montrer. Et je ferai une vidéo centrée sur tous les nouveaux remèdes que j'ai découverts là pendant cette semaine de maladie qui m'ont aidé à garder le cap, à aller à Paris pour faire mon week-end de formation et tout, enfin à avoir quand même de l'énergie même si j'étais malade. Je te ferai une vidéo la semaine prochaine, c'est ce qui va sortir. Mais là, on va pas parler vraiment de maladie, ça va juste être, ben voilà, sache que je suis un peu malade pour comprendre un peu mon énergie dans cette vidéo. C'est tout. Je te donnerai le diagnostic en direct du médecin parce que je vais le voir à 16h, voilà. Et juste, la petite Félice que tu as vue juste avant, Félice a 13-14 ans, c'est la chatte de Julia, Julia qui vit avec moi. Pour des raisons que je ne divulguerai pas parce que c'est pas ma vie à moi, mais en gros Julia est à la maison et Félix nous a rejoint là la semaine dernière, donc on a une duchesse avec nous qui nous accompagne, donc peut-être que tu la verras. Elle est plutôt nocturne en ce moment, hein. Elle s'habitue à l'appartement vu qu'elle est là que depuis une semaine, donc on la voit pas trop trop non plus dans la journée, mais par contre le soir, bah là pendant mes quintes de toux cette nuit, elle était là, hein. Ah oui, elle était vraiment vraiment là. Elle m'a accompagnée pendant que je crachais mes poumons et du sang et fun stuff. Et j'ai aussi envie de continuer à filmer parce que mes ongles, je suis obligée de les enlever la semaine prochaine parce que je peux pas masser avec ces ongles. Donc je vais filmer beaucoup de vidéos cette semaine pour pouvoir profiter de mes ongles en vidéo. Ah, oh, ils sont trop beaux. Et puis la repousse est assez lente du coup, donc j'en profite vraiment, c'est pas moche. Je te laisse. Je te reprends une fois que j'ai mangé et que je me suis préparée, ok? Ça peut être dans 1h30, mais je te reprends après. So you on a dance floor, moves I never seen before, and a smile you could die for, you could die for. We went on a date, I'm under a spell, I didn't expect it to go so well. J'ai mis un soutien-gorge pour la première fois en une éternité. Franchement, je me sens à l'étroit. La vérité, je me sens à l'étroit. Ça, c'est ma to-do list. Ça, c'est ma to-do list. Je vais de suite dire que c'est bon, j'ai lancé une machine parce que j'ai besoin de faire cette to-do list aujourd'hui pour m'aider déjà à garder les idées claires et ensuite à me rendre compte que je fais des choses pour pas être complètement découragée. Donc je te fais un petit topo. En gros, pour la maison, il faut que je vide le lave-vaisselle, faut que je plie le linge et faut que je lance ce qui est déjà fait et que j'étende une nouvelle machine. Ensuite, pour ce qui est de mes petits trucs à moi, faut que j'appelle le dentiste, faut que j'appelle l'onglerie pour enlever mes ongles. Donc je vais prendre rendez-vous, je vais faire ça tout de suite. Je prépare une lettre médicale, faut que je prépare deux colis Vinted. Au cas où ça t'intéresserait, j'ai une dizaine d'articles sur Vinted que j'ai mis là. Donc c'est Loupche sur Vinted, hein. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Donc faut que je fasse deux colis Vinted. Faut que j'imprime un bulletin d'inscription pour mon séminaire d'été en médecine chinoise. Et ensuite, en termes de travail, vraiment, faut que j'écrive un article Bertine, faut que je gère mes mails parce que j'ai quelques mails en retard, notamment avec Passage du Désir pour une prochaine collaboration. Je suis trop contente. faut que je contacte des marques parce que si j'ai eu un super partenariat comme Passage du Désir, c'est parce que j'ai contacté la marque en mode coucou, j'existe, j'ai envie de bosser avec vous. C'est du travail de.
Comment on appelle ça? C'est du démarchage en fait, c'est du travail de démarchage des marques qui me plaisent pour leur dire j'existe, regardez mon contenu, si ça vous intéresse on travaille ensemble. Donc ça paye, hein, clairement j'ai envoyé 10 mails et j'ai eu qu'une réponse, mais la réponse c'était passage du désir, donc c'est trop bien. Donc je vais encore envoyer une dizaine de mails aujourd'hui et j'ai des déclarations AdSense. Donc AdSense c'est les revenus que je gagne grâce à Google, grâce aux pubs, donc c'est à hauteur de environ 40 euros par mois en ce moment, mais faut que je les déclare correctement à la douane, chose que je n'ai pas fait parce que je savais pas qu'il fallait déclarer à la douane. Voilà, donc il faut que je m'occupe de ça. C'est d'ailleurs Douceur Lila, la chaîne Chloé de la chaîne Douceur Lila qui a parlé de ça. Bon bah écoute, c'est parti, je vais appeler le dentiste et l'onglerie et après j'écrirai mon article Bertie. We've been smoking, jumping to the ceiling. Don't care about a phone that goes ring, 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 ring. But after sex you go bye bye. You don't wanna spend the night, alright. I can handle it, yeah, don't worry about me. But I'm starting to think you're the missing part of me. You're the missing part of me. Et voilà l'article Bertine. Bon, il est 12h30, la machine vient de s'arrêter, donc je vais aller étendre le linge et plier le linge et tout. J'ai faim, donc je vais déjeuner. Et en plus, là, clairement, j'ai écrit 1000 et quelques mots, donc je vais laisser reposer. Et je reviendrai après le relire, le mettre en page, le mettre sur le site et tout et tout. Donc je ferme le petit ordinateur, je vais le mettre à charger, ça va être bien. Et puis on va aller s'occuper du linge pour faire la petite housewife. La machine est étendue et le linge est plié. Et maintenant on va manger, j'ai trop faim, la la la. Tu vas voir des programmes se promener, je préfère faire un disclaimer au cas où tu penserais « Oh mon dieu, elle va voter La République En Marche, quelle grosse connasse !» Non, 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 jamais, c'est juste un programme de La République En Marche qui... J'aime bien les vlogs où on te dit l'heure qu'il est, donc sache qu'il est 13h, voilà. Et que j'ai fini d'étendre tout ça et de plier tout ça, donc je vais ranger le linge propre et plié et je vais me réchauffer à manger. Et je vais essayer de reprendre vers 13h45. On dit qu'à 13h45, 14h, je suis en train de travailler de nouveau, d'accord? Tu sais quoi? Je te pose à mon bureau et je te retrouve à 14h au plus tard. Ok? Je me suis dit, vu que j'ai une tête de cul, autant l'assumer à 2000%. Ouh, avec le petit bouton sur le nez. Et le nez qui pèle. Oh là là, je suis un sexe symbole. Flou en plus. Un sexe symbole flou avec un mauvais accent du sud. Il est 13h59. Et je vais me remettre à travailler une bonne heure. Finir l'article Bertine, gérer les mails en retard, commencer à contacter les marques et gérer AdSense. Tout ça en une heure, donc forcément, on va peut-être pas contacter 10 marques. Hein. On va faire ça doucement. Faut que je parte de la maison à 15h40 pour être chez le médecin à 16h. Et j'ai encore toute la cuisine à ranger, le lave-vaisselle et tout. Donc c'est pour ça que je bosse qu'une heure et après j'aurai 40 minutes pour faire d'autres trucs plus voilà, dans la maison. Quoi, pour que Julia et Léo ne rentrent pas du travail dans une maison qui est complètement dégueu. Parce que voilà, c'est moi qui reste à la maison toute la journée aujourd'hui. Donc bon, autant faire quelques petits trucs pour la communauté. Sachant que ils font quand même beaucoup aussi. Je procrastine pour ne pas me mettre à relire mon article. Donc salut, je vais voilà lire mon article. Bon, pour les déclarations à la douane, je suis un peu bloquée parce que le site ne marche pas. Et pour les marques, j'en ai contacté deux, donc j'ai écrit deux mails et j'ai retenu des infos pour deux autres. Parce qu'en fait, j'ai trouvé les numéros de téléphone, ce qui est rare et ce qui est trop bien. Mais avec la voix que j'ai, les quintes de tout, enfin, je peux pas appeler des gens pour la première fois et présenter un projet de collaboration et tout. Donc j'ai retenu des informations et genre dans 2-3 jours, je les appellerai genre « Coucou !» Cette fois, j'ai une voix normale, là. Bon, il est
précisément 15h12, donc je vais aller ranger la cuisine, le lave-vaisselle, etc. Et après, je vais aller chez le médecin. If I'm ever rich, I'll get a boat. I'll meet you on a beach on the west coast. Glass of champagne, avocado toast. You'll get a lot of likes on your Instagram post. And we travel the world, yeah. Till the end of the rainbow. The rainbow. Until we grow old. Whoa, whoa. Bon, ça va, je m'en sors bien. Il est 38, donc je suis pas en retard. Je vais pas avoir besoin de courir pour mon bus parce que là, avec la toux, je suis tellement essoufflée, ça aurait été un cauchemar. J'ai fait ma petite tresse pour que mes cheveux ne s'en mêlent pas. Et le gros manteau du temps pourri Picta où il pleut tout le temps. J'ai pris un livre, j'ai pris de l'eau parce que quand j'ai une garde de toux, bah, il faut que je boive pour que ça passe un petit peu. J'ai mes ongles assortis à mon pull et à mes chaussures. Je pense que tout va bien. Bon écoute, je te laisse là. Attends, je vais mettre mon écharpe. Magnifique écharpe offerte par Emma. Emma, mon amie, hein, pas une marque, Emma. J'ai tellement toussé que j'ai des courbatures aux abdominaux et à la cage thoracique. Sourcils peignés. Bon, je te laisse là. Tiens, regarde. Tu te souviens, je t'avais parlé de Shop Ta Plante, la boutique en ligne de douceur lila de plantes. Bah, regarde-moi cette Monstera Deliciosa. Comment elle est trop jolie. Donc, il s'appelle Pascal et il est super joli. Il s'en sort très bien et bah, je compte le rempoter fin mars, quoi. Je vais attendre encore un petit peu qu'il fasse meilleur. Me voilà de retour du médecin. Je mange une tranche de pain d'épices avec de la confiture de rhubarbe dessus. Et c'est une trachéite. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà. Puisque je filme ça une semaine à l'avance. Mais donc c'est une trachéite toute simple. Je vais continuer 24 heures les remèdes naturels que je fais. Et genre si dans 24 heures je suis encore dans le même état et que j'ai encore passé une nuit horrible avec des quintes de toux et tout. Je passerai à la cortisone qui m'a filé. Sachant que, attention, je n'ai jamais pris de cortisone de ma vie. J'ai toujours réussi à m'en sortir sans. Mais là, je suis saoulée, en fait. De tousser autant, d'être aussi fatiguée. Voilà, j'en ai marre. Donc, je laisse encore une chance à tous les remèdes que je fais et qui ont servi. Hein. Bah, la toux sèche que j'ai, c'est une toux qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus tu tousses, plus ça irrite la gorge. Et plus la gorge est irritée, plus tu tousses. Puisque c'est, tu sais, la sensation de gratouiller, là. Donc, j'ai beau faire 15 000 trucs, c'est pas assez pour stopper le cercle vicieux pour l'instant. Donc, je me donne encore 24 heures d'amélioration. Déjà, aujourd'hui, je tousse moins. Donc, on va voir cette nuit. Et si ça reste dans le même état, bah, je passerai à la cortisone et puis tant pis. Bon, update 24 heures plus tard, ça va vraiment 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 mieux. Genre j'ai dormi quasiment toute la nuit, j'ai fait qu'une minuscule quinte de toux vers 5h du mat. Aujourd'hui j'ai un petit peu toussé mais pas trop, j'ai beaucoup plus d'énergie, genre les remèdes naturels ont marché, donc raison de plus pour que je te fasse une vidéo la semaine prochaine sur ce sujet là. Voilà. Bon, il est 17h, ma petite famille Julie et Léo, ils vont bientôt rentrer et on va au spectacle ce soir, donc j'ai plus beaucoup de temps pour bosser. Il faut que je m'y mette maintenant. Allez, c'est parti. Le site de la douane marche pas, c'est une galère terrible. Je trouve pas mon numéro de TVA intracommunautaire. Donc demain je dois appeler parce que là ce soir évidemment il est 17h15. Donc c'est fermé parce que ça ferme à 16h30. Donc je peux pas appeler maintenant. Bref, au moins je comprends des choses un peu plus clairement. Et j'ai l'impression de faire les choses un peu plus dans les clous, quoi. Mais bon, relou. Donc maintenant je vais imprimer plein de trucs. Je vais commencer par Vinted, j'ai un formulaire à remplir, j'ai un courrier à préparer, on va faire ça maintenant, comme ça. Ça va, Félix? Je te dérange pas? Non. Mais t'es pas rassurée, hein, les bruits de bus, c'est pas ton fort. L'avantage quand t'es youtubeuse,
c'est que tu reçois plein de colis. Donc hyper facile pour les colis Vinted, tout ça c'est juste de la récup des trucs que j'ai reçus et que je veux pas jeter parce que c'est du gâchis et que voilà, les gens ils m'envoient du plastique alors que c'est pas forcément nécessaire. C'est pas cette compagnie là hein, qui m'envoyait du plastique, mais bon, je réutilise. Et là j'ai des pubs dans ma boîte aux lettres, malheureusement j'ai pas encore mis de stop pub et je suis même pas sûre que ça marche en vrai, ils s'en foutent vraiment et du coup je déchire et je mets là pour caler quoi. Voilà. T'en penses quoi? T'en penses quoi Félix? Oulala. 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 Bon, état des lieux, il est 18h40, Juju est rentrée et a besoin d'une bière et de Kaamelott. Léo est trop mignon et est allé me chercher un radis noir parce qu'il a entendu parler au travail d'un remède naturel à base de radis noir pour la toux. Et moi, je vais faire une tarte aux blettes et au tofu fumé pour... Oh, salut Félix. Félix mange dans sa gamelle, je croyais qu'elle l'a boudée, donc je suis bien contente. Nous avons ici des crêpes faites par Juju, j'ai faim. Et je vais faire la tarte de ce pas, comme ça on pourra dîner avant d'aller au spectacle. Trop bien, je te pose là. J'aurais peut-être dû mettre qu'un demi-bloc. Alors, one. Mais qui a-t-il là? Une tarte aux blettes et au tofu fumé. Et des babouches. Tu entends Kaamelott en fond. Mais je vais conclure cette vidéo maintenant. J'ai franchement fait tout ce que j'avais à faire sur ma to-do list. À part pour le truc de la douane là. Le gros scotch dont j'ai besoin pour les colis Vinted est dans la voiture. Donc je vais juste aller le chercher là. Et j'en profite pour descendre le recyclable parce que je suis une personne parfaite. Mais voilà, écoute, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien les journées dans ma vie comme ça. Donc voilà, je suis très contente d'avoir filmé un petit vlog. Moi, j'adore ça aussi. J'avoue que les vlogs, c'est un peu mes vidéos préférées à regarder en tout cas. Et je propose, attends, le compositeur de la semaine, ça va être Berlioz. Voilà. Donc si tu es arrivé jusque là, commente Berlioz dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.